Je m'appelle Jean Nippon, je suis vivant, je travaille à Paris. Je suis sorti des Beaux-Arts en 2000. C'est mon premier solo à la Galerie Pacte et je suis très fier de vous montrer mes nouveaux travaux. J'ai senti vraiment le besoin de revenir à quelque chose de plus. Peut-être pas de plus vrai, mais de plus physique, de quelque chose fait à la main. Je me suis dit, pourquoi pas taquiner un petit peu les peintres anciens, ceux vraiment qui me font vraiment halluciner, au sens propre du terme, d'essayer de naviguer vers leur île un peu perdue dans l'histoire. L'aura, c'est quand l'œuvre d'art est habitée par, on peut appeler ça ce qu'on veut, l'aura, une énergie, une présence, une divinité même si on veut. Ce qui compte, c'est est-ce que l'œuvre amène cette chose éternelle, intemporelle, qui précède, qui te précède toi et qui va continuer après toi. C'est vraiment cette sorte de vérité. Alors, la vérité, ça peut être une vérité esthétique, ça peut être des concepts, peu importe, mais une vérité, en tout cas une justesse habitée qui occupe l'espace pictural. On veut trouver, excaver, déterrer quelque chose qui habite l'œuvre. À la base, en fait, je voulais pas du tout reprendre vraiment les armes de mes peintres favoris, donc c'est-à-dire l'huile. Et je voulais vraiment faire quelque chose que je n'avais jamais fait, c'est-à-dire dessiner avec des crayons de couleur. Les crayons de couleur, c'était un moyen assez humble, propre, sec, pour faire un peu voilà, ce que je voulais, c'est-à-dire faire un peu des croquis de peinture, voilà, un peu. Dessiner un peu des souvenirs, d'images, de peintures que j'aime, mais sans prétention. Comment est-ce qu'on peut éviter le côté rocaille, un peu pierreux, un peu grainelé du crayon de couleur? Est-ce qu'on peut faire des aplats donc, sans saboter le papier, sans faire des grumeaux et des couches vraiment trop épaisses et ingérables? En quelques années, j'ai vraiment développé une technique très légère, très longue, très fastidieuse pour arriver à une sorte de dommage, ouais, dommage à la peinture à l'huile. Mes influences, en fait, c'est plus comme une chasse archéologique. Ça peut être un vase de chez Velázquez, ça peut être une actrice allemande sur Instagram, ça peut être la voiture de ma voisine. J'essaie de trouver toutes les ressources possibles, c'est-à-dire musée d'Orsay, Louvre, enfin chaque musée du monde. Je vais regarder toute leur banque de données et fouiner et trouver le petit tableau qui n'est pas montré, qui est dans les réserves, mais qui est montré en photo et souvent dans des qualités médiocres. Et là, je suis fasciné par peut-être un petit coin de forêt. Une petite nuque, on met dedans, on assemble et on a le produit final, c'est-à-dire, j'espère, l'œuvre habitée, l'œuvre occupée par quelque chose qui me dépasse et qui, j'espère, va exister après moi. I'm just keeping trying to keep up here.